c'est vrai que ces quatre victoires nous amènent la confiance. Donc forcément, les joueurs sont différents sur le terrain puisque il y a un peu plus de concentration, un peu plus de confiance. Donc c'est plus sympa. Mais bon, on n'est pas encore sorti complètement du fond du classement. Donc on a encore un peu de pression justement avant ce déplacement. Ouais, c'est une très très bonne équipe. On l'a vu sur certains matchs, ils sont capables de faire un très très beau rugby. Après, peut-être qu'il manque un peu de constance dans le rugby, un peu de réussite aussi qui les a fuis par moment. Mais ça reste une très très belle équipe qui joue très bien au rugby. Mais voilà, aujourd'hui elle est à ce classement-là, peut-être parce qu'elle manque un peu de constance dans les résultats. Bon, le groupe, il est concentré, il est déterminé. Il faut justement entretenir cette confiance-là en faisant de bons entraînements et en ayant des objectifs simples, mais précis. Bon, on verra bien ce qui va arriver. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le match de Pau, puisqu'on n'est pas encore sauvé, comme je l'ai dit. Il nous manque encore des points, donc il faut absolument qu'on fasse un très très bon match à Pau pour essayer de sécuriser ce maintien au maximum. Mais après sur les deux autres matchs, on verra bien. La journée prochaine est déterminante par rapport au classement, mais par rapport à ce qu'on peut éventuellement faire. Mais ça dépend pas que de nous non plus, donc on va essayer de s'occuper de nous, de maîtriser ce qu'on peut maîtriser, déjà en faisant un très très bon match samedi, quoi.